Hola, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Eso depende de la hora que va a ver el video. Bonjour, bonsoir, mes amis, ¿cómo andan? Ça dépend de quelle heure nous parlons aujourd'hui, si ça peut me dire bonjour, bonsoir. Nous devons apprendre comment on va vivre. Soy yo, Mariqueto, que está aquí, en el mismo lugar de siempre, con ese programa que dice Am Aprendre par l'Espagnol. C'est bon, Mariqueto, que nous sommes avec nous, avec un programme qui dit Am Aprendre par l'Espagnol. Et comme nous connaissons, et ça fait nous commencer ensemble avec le verbe ser, verbe estar, qui veut dire verbe être, que nous avons fait nous connaître, que nous conjuguer ça dans deux façons. Yon ki ou fè konen kon, ki sa nou yon, avèk yon ki konen ki fè nou konen, ki kote nou yon. E men jodi an nou pale avèk imparfè. Nou pale ansan avèk imparfè, apre sa mou pale fè nou wè futur la. Ki wè di nou konen bagay yon se etap pa etap. E tiempo por tiempo, poco a poco, ase para llegar. Ok? Ki wè di an mou komanse, mou pa konen se nou wè nan video avan yon. Gye kek mou espanyol, kom se nou toujou ba nou lè pi man kriol. Me konen la mou ta anime, dis-nous quelques mots en espagnol et en anglais qui veut dire juste pour nous capables commencer à habiter en anglais. Ok? Nous allons commencer con el ejemplo verbo imparfait, imperfecto. Así para que nosotros vayamos a aprender y después imparfait, tu vas como en el verbo futuro. Pas de problème, nous allons commencer con ella. Nous sommes dans le verbe et passé. Se li men mwen te de ou sa justoube, touristoube, de ki vezi la konen ke moun yo ki ap su video a, tan pou pataje, abone. Abone avek yo zami yo, jist pou nou kapap abone pale espanyol la. Sa ma fe a, ok, dako. Nou pose, konen ke yon ap pi bon pou nou, paske yon sa ma fe a, se l'ekol pou nou davade pou nou api, pafwa nou bageta pou nou an l'ekol, men, si nou kon, tout moun ki konen ave telefon intelijan nan yo. Ki vezi la, si nou... Go telefon, nan pou chanel nou, nan pataje la vek yo zan nou. E pi nou mwen men pou nou akouraje pou mwen ka fe sa, sol mwen like, pataje, e pi tou fe komet, mwen metre komet. Paske mwen dojou joun rompe, rompe se tiye komet, an espanyol, todo esta bien. A mi me kanta. Komo dise, e la kazyon, me gusta es. Ok. Jodi an nou pale de verbe estar, an e pa fe. Qui veut dire pour un verbe installer, elle n'est pas fait avec celle-là, tout avec un pas fait. Qui veut dire lui-même qui j'ai conjugué. Il conjugué, yo estaba, tu estabas, o ella estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ellos o ella estaban. Qui veut dire que c'est comme ça, le verbe là conjugué en espagnol. C'est lui-même qui dit comme ça, j'étais, tu étais, il était, nous. Qui veut dire nous connaissons que j'ai conjugué déjà dans la langue, pas non. Mais qui veut dire là, lui-même, mais qui j'ai conjugué à l'imparfait. Nous connaissons que nous connaissons qui ça me défait, nous connaissons. Mais qui j'ai conjugué à l'imparfait encore, c'est je estaba, tu estabas. El ou ella estabas, nosotros estábamos. Il veut dire que côté nous t'y. C'est le même comme j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous êtes. Qui veut dire que nous reprenons encore juste pour nous connaître qui ça m'a dit qu'on y a. Ok. Et bien, comme d'habitude, le m'a fait un verbe là pour nous prendre ça. Moi, toujours fait une phrase ensemble avec juste pour nous connaître. Qui gens pour nous conjuguer. Ahora nous vamos a hacer una frase con cada esa parte de ese verbo para saber de qué estamos hablando. On va le faire une fois juste pour nous connaître qui ça m'a parlé. Et pour nous connaître un moment pour nous capables de conjuguer. Et ça fait qu'on a moins nous disons encore, moi pour mettre un mot espagnol, comme c'est moi, dire quelques mots en espagnol, c'est une façon juste, son que l'espagnol m'a fait. Je ne vais pas faire plus mal à créole. Estoy haciendo un curso en español. Ustedes tienen que empezar a escuchar palabras en español. Si ustedes necesitan algo en español, por favor, déjame en un comentario. No hay problema. Así está. Ok. Ahora, las frases que voy a hacer, con la frase no va a hacer,
me voy a saber, yo estaba. Yo estaba. De un momento. Yo estaba en el trabajo. Yo estaba en el trabajo. Tú estabas en el mercado. Mwen fè nou konon bagay ki pi devan mwen ta prepare klas kote mwen fè nou konon kom si lè nou ap itilize sa yo tout sa de sa. Ki vè zan mwen ta fè nou konon konon bagay yo se etap pa etap. Ki vè zan mwen baka fè tout yo sel kou. Pase rezon, e sou ba pale yo. Nou ba mwen se ki nou aparente. Mwen vle fè nou konon ki sa pale pi louen, nou ke prokose de pi devan. Ki vè zan pi devan, nan vè nou konon bagay. Petè sa mwen rezon an toujou suiv. Se chak dimanche mwen fèl, pa fèl dimanche mwen sot, goti jan sotèl. Men mwen dan se jou sa yo, pa ptèl mwen la yon pase grezon. E yon goti jan koum se apè melyore tan, se jous pou kapap anse marin nou chak dimanche, ok? E, el o estaba en la reunión. Mwen pa vèz okipè nou, paske grezon mwen konen ke mwen bal efè. E kom di kapab, mwen bal ba nou vokabilya, paske nou konen chak fwa mwen yon verb, yon fason ansanm avè nou, mwen yon mwen utilize pou mwen fè fwa sa, mwen toujou fè, mette vokabilya pou nou. En el mismo, colegio. En la iglesia. En la habitación. Ok, comment nous faisons nous connaître que le verbe là c'est je estaba, tu estabas, si elle estaba, ou il estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, estaba. Qui veut dire la première ça c'est phrase. Je estaba en el trabajo. Qui veut dire la faire connaître côté intérieur. Parce que par exemple, nous connaissons que le verbe estar là, c'est le même qui peut faire que nous sommes situés, comme si côté nous situés, comme si dans Dieu, qui côté nous est positionné. Tu estabas en el mercado, en la machia. Él o ella estaba en la reunión. Un poco que vamos a ver, como si depende de nosotros, no vamos a ver qué se define. Y va bien, me dice no eso, me dice no eso. Pero el mundo de nosotros no está en la verdad, porque es eso que va bien, me dice no eso. Pero como yo no veo, como eso me hace, me hace. ¿Ok? Nosotros estábamos en el mismo colegio. Papá, vosotros estabas en la iglesia y ellos estaban en la habitación. Ok. Mwen te nan travay la, li te nan mache ya, e ma pale de garçon ou bien fila, te nan reunion, nosotros, nou, te nan menm kolej, mismo, se la menm, vosotros estabas en la iglesia la él esa estaba en la habitación con ya la que un cual no se dice un día y le no va a volver su cuerpo con esa si no me va a ir a comprar no creo que pase no pase justo no capaz se dice se cosa pero a poco que eso no no decimos cada vez no va a poner dos mo por día la que puede decir ok no va a poner verse la con ya la ok uy con ya la. Nou pal komanse nan verb sel la avèk imparfè. E pa liye, sel, estar, se menm verb etre la. Me, nan an espanyol, li konjuge nan dè manyèr, dè la dè forma. Manyèr, forma. Ok. Ou se nan la di kosa manyèra? Ki ve di la, se nou kapap komanse, jous, pou nou kapap komanse konnen. Ebyen, konnen la se
les nous disons ça et aller pas faire c'est Joe era tu era et à qui veut dire c'est lui même qui peut faire connaître qui ça moins qui ça moins qui ça moins qui veut dire là pas oublier moi dire ça que là on parle comme c'est ça là c'est pour faire connaître position moins d'hier mais on parle faire là c'est comme c'est pour ça que c'est que et qui ça moins ok elle ou elle era il ou bien elle era nosotros éramos vosotros erais ellos o ellas era qui veut dire él o il ou bien il avec i l s avec elle qui veut dire la comme d'azo ça juste et qui avec s là qui veut dire au pluriel ok on croit que nous saisit que ça m'a dû faire nous connaître qui veut dire un verbe c'est là imparfait hein? C'est pour ça de conjuguer. C'est yo era, tu eras, façon es. Ok? Él o ella era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos o ellas eran. Qui veut dire, nous tous les deux en même temps. Ok? Comme nous connaissons, verbe celle-là, c'est le même pour identifier qui sont ils. Si ils sont fils, si ils sont garçons, si ils sont docteurs, si ils sont infirmières, si ils sont professeurs, si ils sont youtubeurs. Ok. Et peut-être ça, c'est comme ça. Yo era una mercadera. Non, yo nunca fui. Parmi les deux, ça fui. Qui veut dire c'est verbe et au passé, verbe sel. Qui veut dire l'aime de quoi ça, je era un mercadera, mais par le sujet de ça, je nunca fui. Qui veut dire, je ne sais pas, j'aime ça vraiment. Je veux dire, una mercadera. Mercadera, vous avez ça, je veux dire? Marchand. Tu eras un vagabundo. Vagabundo. O si no se da a decir o una femina, da a decir una vagabunda. Y pie de vamos a ver. Una, yo voy a decir más para el profe. Si me dice un, se pone un garçon. Là, moi, je dis comme ça que un vagabundo ou sinon una vagabunda. Je crois que ma mère me dit que ça veut dire, déjà vu ça, je dis vagabond. Aïe, aïe, aïe. Un bon étudiant. Eso sí, sí. Yo era una buena estudiante. Me la estudiante a comunicar femenino. ¿Qué quiere decir? Pero no hay nada. ¿Qué quiere decir? Estudiante a que termine para E, ni por masculina, ni por femenina. Me si me debes decir cosa por un fi, me debes decir una buena estudiante. Puis devant, me parle como si, mais, comme nous arrivons dans ça, je suis tout comme si capable. Je vais commencer à faire passer sur toujours. Ok. Moi, tout utiliser ça pour pluriel là, c'est juste pour nous capables de voir qui gens et les conjuguer. Parce que là, moi, je nous connaître. Estudiante là, ni pour masculin ni pour féminin. Mais nosotros éramos estudiantes. Moi tout bas non pluriel là qui veut dire là si nous estudiante, les pour féminin les pour masculin qui veut dire quoi ça
La pluriel seulement on mettait un S. Et ça fait beaucoup utiliser. Vosotros erais cristiano. Y ellos o ellas eran unos buenos amigos. Mas se não como se ué, sabe o que é lá. Peut-être não foi como se não está de um que repetir. Sabe que é muito repetir, hein? C'est juste pour commencer à faire nous voir comme si c'est passé les autres ou commencer de jour en jour. Faut que moi tu es dans plus profond. Quand comme si tu as un petit bébé, c'est de temps en temps pour partir la bouille. Mais parfois, il faut faire ça quand tu as un petit peu de bois dans la bouche. Juste pour commencer comme ça, que les manger sel. Ok? Et n'a pas comme si tu as un gros mois, ça m'a fait. Je connais que le kiff et je me sens que j'ai un coup passé. Moi, tu es nous. Et mercado. On dit pas le mercado qui veut dire de faire connaître que c'est marché ou bien tout. L'aime du marché, c'est pas marché comme si marché comme ça parce que marché comme ça c'est caminade. Mais l'aime du ça mercado c'est maquette. Qui veut dire ça nous veut comment que mercado. Et mais là on fait connaître mercadera. On a mercadera ou mercadero c'est un marchand. Mercadero a pour garçon, mercadera pour fille. Qui veut dire la moins dit nous comme ça que OK. Bon. Tant que c'est plaisir d'avoir l'aimé de vous que je vais me mercader là, mais pas de la santé de bientôt. C'est lui même bon Dieu te choisit pour ne pas avoir de problème. Parce que tout le monde qui fait là, c'est juste comme si d'accord ça y est cherché. Tout le monde c'est parce que papa m'a machin ou bien m'a machin qui fait jouer à capable là, ou même toi c'est deux mêmes. Et ou même toi qui a fait le tout, c'est parce que vous avez fait ça pour petit tout, ok? Juste pour capable de correction parce que c'est plaisir d'avoir. En tout, hélas, un vagabondo. Ou bien tout cas, ça, tu eras una vagabunda. Qui veut dire ça, c'est pour féminin. Elle ou bien ella era un buen estudiante. Ou bien tout cas, ça, elle ou ella era una buena estudiante. Qui veut dire là, là, ou seulement ou vous mettez A. Mais là, si vous avez besoin de mettre le féminin, on va seulement enlever ou A et puis vous mettez A. Mais pendant ce temps, pas oublier, vous ne pouvez pas dire que ça, une vagabunda, c'est pour dire une vagabunda. Qui veut dire vous mettez un ou tout mettre. C'est pour dire un, vous connaissez que nous avons utilisé en français déjà, qui veut dire c'est un ou bien une. Mais quand qui veut dire une, c'est un allié en espagnol. Ok? Nosotros éramos estudiantes. Qui veut dire moi-même, utiliser même mot ça, comment faire nous connaître que estudiante, li pour féminin, li pour masculin, li toujours utiliser, li toujours que même genre, avec eux, mais là, au pluriel là, nous simplement mettons S là-dedans. Nous simplement mettons S là-dedans. Vosotros erais cristianos. Cristianos et on croit que dans le vocabulaire auparavant, si je pas menti, nous te fait nous jouer comme cristiano. Cristiano ou bien cristiana. Cristiano ou bien cristiana qui veut dire là, et cristiano pour masculin, hein, qui veut dire pour nous utiliser pour garçon. Hein, et cristiano. Et cristiana pour féminin, pour fila, mais les a utilisé au pluriel. Si c'est comme son goofy, si son goofy, on a mis cristianas, qui veut dire avec A, et puis on mettait S là. Mais si son goût garçon ou bientôt masculin, comme on connaît garçon avec fille, même j'en ai utilisé en français, hein, c'est comme ça tout dit en espagnol, masculin en portugais et le féminin, là, a toujours été os. Même si on utilise en français, c'est comme ça que tu utilises en espagnol. Là, nous sommes féminins, nous sommes masculins, nous tout mettons masculin après sur le féminin, la peut utiliser comme si aussi. Et peut-être ça, si c'est cristiano, là, il n'est pas comme vérifier, c'est comme si c'est garçon seulement, m'a parlé là, ou bien si c'est comme. Peut-être que doit comme si c'est tout ensemble, ok? Et peut-être ça, mettez cristianos.
Mais si c'était fille seulement, m'a parlé pour vous autres sœurs Christianas, si m'a parlé de deux trois filles seulement, m'a mettre Christianas. Ellos o ellas eran buen amigos. Ellos eran unos buenos amigos. Là, nous, ouais, et nous parlons un masculin qui c'est un. Ou bien nous parlons de féminin qui c'est una, qui veut dire une. Mais là, les pluriels, mais unos. Mais si nous parlons seulement de ella, si nous parlons de ellas, nous parlons unas. Si nous parlons de ellas, nous parlons unas buenas amigas. Qui veut dire là ou déjà ouais, si nous parlons de ellas, nous parlons tout au saillot, nous parlons de AA. Mais comme ces filles m'ont parlé, comme une fille m'a parlé des filles, et ni masculin, m'a parlé ni des pluriels, et ni masculin ni des féminins, c'est peut-être ça. Moi, utiliser, même je vous dit tout à l'heure, masculin à partir de féminin, qui veut dire c'est ça que fait, mettez unos et buenos amis. Ok? Qui veut dire là, c'est là, moi, je veux comme si pour me capable vivre ensemble avec nous. C'est là, moi, besoin de vivre ensemble avec nous. C'est juste pour me capable faire nous sentir quelques vocabulaire. Pour me capable faire nous sentir quelques mots nous besoin. Quand il y a là, ça me va faire ensemble avec nous. Et pas bien, moi, dis nous, t'as quoi, moi, ça, moi, pour ensemble avec nous, là, comme unos, unas, moi, je veux comme si pour me faire une partie à part ensemble avec nous. Juste pour nous capable toujours bien saisir. Encore. Parce que moi, je dis comme ça, une, mais les gens comme c'est unos, unas, là, c'est lui-même, nous utilisons comme des, là. Mais des là bien quoi les utiliser ni pour féminin et ni pour masculin au pluriel là mais les mêmes non en espagnol l'on parle de unos c'est pour masculin pluriel l'on parle de unas c'est pour féminin pluriel eh bien et pour ne pas faire non ok yo era una mercadera moi j'étais un marchand tu eras un vagabundo. Ou te yon vagabond. Ou sinon, ou te yon vagabond. Elle ou ella era un bon estudiante. Li, ou bien tout comme si m'a parlé de garçon, ou bien fille. Hein? Mais si m'a parlé de fille, m'a dit una buena, ou bien comme si garçon là, m'a dit un bon étudiant. Nosotros éramos estudiantes. Nous te étudiants. Vosotros erais cristianos, ellos te chrétiens, cristianos. Ellos o ellas eran unos buenos amigos. Que vous me faire connaître que l'été nous c'est un bon et ils étaient un bon ami. Qu'on y a là, on va commencer à passer ensemble avec nous vocabulaire là, ok? On va voir vocabulaire mon sérieux comme on dirait à vous. Bueno. Ya tenemos un par de vocabulario en español. Como ustedes saben siempre, yo siempre como que después como de hacer un par de conjugación, yo siempre como que aparece un vocabulario que yo usé para las frases. ¿Qué veut dire? La mujer en vocabulario. Como conoce como d'habitude, chaque fois que vous utilisez verbe et puis ça moi utiliser comme verbe yo, moi tout fait et moi fait phrase ensemble avec yo. Moi toujours dans le vocabulaire là qui nous là c'est juste pour nous capable commencer et quelques mots pour nous capable commencer à saisir parce que puis devant nous commencer voir ce que des mots puis devant d'après ta connaissance là et plutôt pour nous commencer à apprendre ok los vocabulario que yo tengo ahí le vocabulaire mon gars là yo pas bien nous utiliser trabajo qui veut dire travail et nous utiliser mercado. Comme on utilise le mercado, on utilise le mercadero. Mais mercado, c'est marché. L'aime du marché, hein? Pas bien, on dit nous ça. L'aime du mercado, on parle de market.
on va parler de marché, maquette, qui veut dire là, là, ça nous veut dire les maquettes là, c'est les mêmes qui mettent un cadre, qui veut dire ça, c'est marché ça. Mais si on va parler de marché, marché comme ça, avec deux pieds là, moi t'as dit caminal, qui veut dire pied devant, napo, qui veut dire c'est juste pour qu'on puisse faire un petit et apparaître sur ton avion. Réunion, réunion. Tout le temps m'a dit nous ça. En espagnol, tout le mot prononcé. Si c'est en français, on a dit réunion. Non. En espagnol, réunion. Nion. Qui veut dire réunion. Mismo. Qui veut dire même. Bon, il écrit en français là, mais pendant ce temps, on connaît. Et mismo, même ou bien même. Qui veut dire, si nous voulons. Qui veut dire, si nous voulons comme ça, bon créole là. Collegio. Collegio. Parce que, ouais. Collegio, c'est collège. Collegio, collège. Habitation, chambre. Qui veut dire chambre à coucher. Et bon, autre façon d'utiliser chambre à coucher à tout, oui, qui c'est. Qui c'est quoi le tout? Mais en plus de fois, comme ça, on parle. Et on parle comme si on était des gens plus civilisés. On parle des gens plus civilisés ou d'habitation. Vagabondo. On connaît un peu de fois comme si on a parlé espagnol, surtout on a posé voir espagnol dans la rue. Nous on a dit nous besoin de monde comme ça qui sont vagabonds, nous utiliser mon tigélé. Après c'est dominicain plus utiliser. Tigélé on utilise lui, mais c'est là on utilise le fait on connaît comme c'est smart. Ou bien dans ça c'est tigélé qui veut dire tigre. On connaît tigre sont bêtes comme c'est très vivant. Là, c'est peut-être ça. On s'en tigre, mais en plus de faire notre promo, comme si c'est un monde qui est vagabond. Parce que quand on dit de la vagabond, tandis qu'il va tigre, nous sommes comme ça. On croit que nous sommes comme ça, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. Il y a un monde qui est vagabond, il continue de faire vagabond, mais quand on s'en tigre, il n'est pas smart. Mais là, on a parlé de vagabond, on parle de vagabond. On croit que le samedi, et si il y a des gens qui ne parlent pas ensemble avec moi, je vais vous faire avec vous dans les commentaires, ok? Et nous connaissons comme si vous avez deux ou trois vocabulaires, juste comme si vous ne pouvez pas rater le mercadero, qui veut dire c'est là que nous faisons le mercado, ou qui veut dire me séparer. Soit façon juste pour nous voir, mercadero, ou bien mercadera. Ou un mercado ça, je vais dire mercada. Parce que les gens c'est un nom. Mais là, c'est un adjectif. Puis de là, on va dans ça. Qui veut dire là, on fait connaître ma chambre. Qui veut dire là, ma chambre. Si c'était pour une femme, on va dire mercadera. Mais comme c'est pour un garçon, on dit mercadero. Cristiano, chrétien. Tu veux dire chrétien, l'évangile de l'église. Il ne va pas parler de Cristiano. Il veut dire nous voulons être comme si nous avons des mots Christ. Ok. Et nous voyons comme si nous avons des gens. Nous n'avons pas besoin comme si nous avons des religions parce que nous voyons comme si nous avons basé sur l'église, basé sur chrétien, basé sur ça. Qui veut dire là? Parce que nous n'avons pas parlé comme si de bon. Je n'ai pas besoin de jusque là parce que c'est quoi ma fête, ok? Bueno, bon. Elles ont ça, un bueno, un buen amigo, una buena amiga, bon. Amigo ou amiga, et ami. Qui veut dire les amis parmi eux? Moi, qui t'ai quelques vocabulaire ça là pour nous, nous connaître très bien comment lier. À la prochaine. Si nous entendons quoi, nous intéressons de quoi, partager. Bal like pour moi, et puis tout. Et fais commentaire, n'est pas prêté noyer. Je suis tu amiga Mariketo, et t'espéramos en la próxima. Bisous, à la prochaine.